Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très très contente d'être avec vous aujourd'hui et de vous présenter les différents programmes que je vais vous proposer dans cette rentrée. Il y a trois programmes qui sont en réalité à la fois complémentaires et à la fois, comment dire, des programmes transformateurs pour vous. Que je suis vraiment, vraiment très, très heureuse de vous proposer. Coucou Cécile, bienvenue. Le premier programme que je vous propose cette année, c'est, je vous ai montré ça aussi en story, c'est être libre de son passé et avoir un accès direct au bonheur. Le deuxième programme que je vais vous proposer durant l'année, c'est se libérer du rejet et changer sa structure identitaire. Le troisième programme, c'est faire du bonheur sa nouvelle norme. Donc vous voyez bien que dans tous les programmes, et bonjour et bienvenue, les programmes que je vais vous proposer bientôt sont tous des programmes qui ont un objectif principal, c'est le bonheur. En fait, je me suis posé la question de se dire quel est vraiment notre but en réalité. Notre but, c'est d'être heureux. Alors la question que je me suis posée, c'est si le bonheur est en réalité la destination, pourquoi mettre ce bonheur sous condition? On met notre bonheur sous condition parce qu'on se dit qu'on attend des éléments à l'extérieur de nous pour être heureux. J'attends de rencontrer quelqu'un et à ce moment-là, je serai heureuse. J'attends que mon business fonctionne et quand j'aurai une certaine somme sur mon compte en banque, j'irai bien mieux. J'attends de me retrouver, de faire partie d'un groupe et de me sentir intégrée pour enfin me sentir mieux. Encore des conditions, encore et encore. Mais d'une certaine manière, la démarche que nous prenons aussi est une condition que nous nous imposons pour atteindre le bonheur. Quand je dis ça, je parle que l'intention même de cheminer, de vouloir guérir de toutes ces blessures pour pouvoir atteindre le bonheur est une condition qu'on s'impose avant d'atteindre cet état d'être heureux directement. Est-ce que vous pouvez observer ça chez vous? Alors la question principale que je me suis posée, c'est si telle est la destination, pourquoi ne pas y aller directement? Comment faire en fait pour accéder à quelque chose qui nous revient naturellement de droit, qui est de vivre le meilleur et être heureux. Et donc, dans ces réflexions-là, j'ai repris tous mes protocoles en place, j'ai peaufiné tous mes protocoles pour pouvoir vous proposer, vous transmettre justement tout un cheminement pour vous permettre, d'une part, parce que pour créer son bonheur, d'une part, la première condition, c'est déjà de se délester et de se délester de son passé. Mais comment se débrancher de notre histoire? Ça, c'est vraiment la question. Et se débrancher de notre histoire sans avoir à traiter blessure par blessure. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, j'ai donné un exemple justement sur ma page de présentation sur mon site internet. L'idée, c'est de se dire, ok, vous vivez dans un appartement où vous ne vous sentez pas trop bien. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez changer les meubles, vous allez changer la déco, vous allez faire en sorte d'arranger pour vous sentir mieux. Alors que l'idée ici, c'est de changer d'appartement pour que vous puissiez juste être dans un endroit qui vous convienne vraiment. La ligne conductrice dans ce que je vous propose dans tous mes programmes, c'est justement cet accès direct au bonheur. Mais l'idée, c'est aussi de sortir de nous déconditionner, sortir de nos conditionnements du passé. Ça veut dire arrêter de vouloir réparer, arrêter de s'adapter, arrêter de trouver des solutions, de faire en sorte que ça fonctionne, arrêter de lutter. Arrêter de vouloir poser comme objectif, de vouloir guérir de nos blessures, de ce chemin qui est long et lourd, et repositionner notre objectif vers l'essentiel. Et l'essentiel, c'est d'accéder au bonheur. C'est vraiment ça que l'on veut. Et donc, il y a vraiment deux choses qui ressortent dans ces programmes que je vous propose. Du coup, si on veut avoir accès directement à quelque chose qui nous revient de droit, sans avoir d'étape ni de passage, du coup, il y a quand même des notions qu'on va faire sauter, qu'on va casser,
qui est la notion du temps. La notion du temps, c'est-à-dire la notion du cheminement. On va sortir du cheminement et on va encoder en nous les nouvelles normes, des nouvelles fondations de base qui sont reliées au bonheur. Ok. Une deuxième chose aussi, c'est de faire sauter les conditions. Donc, on saute la notion du temps pour y avoir accès maintenant. Et on saute aussi la notion des conditions pour avoir accès direct maintenant. Voilà, en gros, c'est ça. Et donc, là, je vous donne vraiment un résumé de ce qui vous attend et de ce que je vous propose. Tout ça pour vous dire que le bonheur n'est pas un but à atteindre. Le bonheur, il est accessible à tous maintenant. Tout simplement. Et ça a changé ma vie. Tout simplement parce que le bonheur n'est qu'une question de reprogrammation. Le bonheur, c'est la programmation. Écoutez bien, tout naturellement, nous sommes programmés à vivre nos mémoires passées, à vivre à partir de notre histoire. C'est la raison pour laquelle quand nous sommes dans notre vie ici et maintenant, dans le présent, nous faisons toujours référence au passé. Je ne veux plus vivre ça. Ah, ça me rappelle ceci. En fait, notre passé devient présent naturellement, tout simplement parce que naturellement, il a été encodé en nous ces mémoires-là qui sont devenues des automatismes et des schémas conscients et inconscients. La question c'est, et si tout naturellement, peut-être que d'une manière, dans un tout premier temps, nous programmons tout notre système avec des normes, avec des codes, avec des champs d'information qui nous conviennent davantage, qu'est-ce qui se passerait? Tout naturellement, nous allons vivre à partir de ce champ d'information que nous aurons choisi. Et ça change. Ça change vraiment notre vie. Donc, l'idée principale des trois programmes que je vais articuler auprès de vous, le premier programme, c'est, nous allons commencer par ce programme-là au mois de novembre, c'est être libre de son passé et avoir un accès au bonheur. Parce que j'ai réalisé que l'une des premières choses qui résistait pour vraiment vivre le bonheur, c'est qu'on a encore ces blessures qui nous ramènent en arrière. Donc à un moment donné, on a besoin de sortir de ces conditionnements-là et aussi de reconstruire, il y a vraiment une restructuration identitaire pour nous permettre de changer de cette identité qu'on a empruntée durant notre enfance pour redevenir l'adulte qui choisit sa vie librement dans cette identité nouvelle. Le deuxième, c'est vraiment se libérer du rejet et changer sa structuration identitaire. Donc vous voyez bien que c'est aussi l'un des freins que j'ai rencontrés et que j'ai trouvé, oui, c'était vraiment important de porter de l'attention dessus, mais ça va venir bien après. Et ensuite, va en découler aussi bien après, faire du bonheur sa nouvelle norme. Donc, restons en contact. Vous allez déjà voir dans mon lien Linktree le premier programme qui est proposé, qui est être libre de son passé et avoir un accès direct au bonheur. Donc, vous pouvez déjà aller voir le contenu. Je pense que d'ici demain, je vais faire un live pour vous présenter plus en détail que contient ce programme. Et comment je vais procéder avec vous afin que vous puissiez, là, juste ici et maintenant, à l'issue de ce programme, du moins, pouvoir vraiment laisser votre passé derrière vous et vous offrir la vie que vous désirez vraiment. Voilà. Je suis très, très en joie de vous proposer d'être là avec vous. J'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, c'était un live de présentation de ce que j'ai. Je vais vous proposer bientôt. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je dis bonjour à tout le monde. Je vois qu'il y a du monde qui est là. Il y a Jennifer qui est là. Et puis, bon, il y a des pseudos, donc je ne sais pas. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.